Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un haul parce que ça se voit pas comme ça. Mais j'avais aucune motivation de quoi que ce soit. J'ai fait un petit ménage et j'ai fait un petit gâteau pour les enfants parce que je pensais avoir une gastro mais au final j'ai une intoxication alimentaire. Donc j'étais pas très bien depuis 48 heures, aujourd'hui ça va mieux. Donc voilà, je vous fais un petit haul pour ne pas vous laisser sans vidéo, mais surtout aussi pour vous montrer les petites pépites que j'ai prises, ce soit pour les fêtes, vous pouvez les prendre pour Noël, vous pouvez les prendre pour des anniversaires, etc. Bref, donc voilà, comme ça, ça va me permettre de faire une petite vidéo à la cool. Je suis restée en pyjama, j'ai mon petit, j'ai pris ma petite tasse avec moi. J'ai le petit gâteau qui attend le goûter des enfants parce qu'ils sont à l'école, nous sommes vendredi. Je vous montre le petit gâteau. Allez, je vous montre le petit gâteau, il est trop beau. Vous êtes prêts? Alors, il ne faudrait pas que je le renverse parce que là, ça a pu être la même. Attendez, je vais mettre... Oh là là, catastrophe! Je vous assure, il allait tomber là. Voilà, j'ai fait un petit gâteau avec une petite ganache chocolat praliné. J'ai mis des petites martises dessus. On dirait un gâteau d'anniversaire, mais pas du tout. C'est juste pour le goûter. J'aime trop leur faire plaisir, ils vont être trop contents. Et sachez que c'est la seule chose que j'ai faite aujourd'hui. Enfin, à part des petites commandes depuis mon PC. Donc c'est parti, j'ai reçu une énorme commande Shein. Donc cette vidéo est en collaboration avec Shein. J'aime beaucoup leur site internet parce que vous trouvez énormément de choses sur leur site internet à bas prix. Il y a des articles pour toute la maison, pour toutes les tailles, que ce soit les vêtements, que ce soit le make-up, que ce soit la décoration, des produits, d'ustensiles de cuisine, etc. Bref, absolument de tout. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et moi, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens de mes articles en barre de description avec mon code promo. Donc on va commencer par un carton qui est ouvert, qui a été ouvert par un de mes enfants. À la base, je voulais pas qu'ils voient tout de suite ce qu'il y avait dedans, mais quand ils ont vu tous les colis, ils sont comme leur mère. Quand on reçoit un colis, on a envie d'ouvrir tout de suite. Donc j'ai reçu pas mal de choses en double. Vous savez que je vous fais un concours en ce moment sur Instagram. Bon, quand je posterai cette vidéo, il sera terminé, mais c'est vraiment un beau concours. C'est pour gagner un aspirateur et un appareil cuisine, un air fryer multifonction. Bref, ce ne sera pas le dernier concours. Dans ces cartons-ci, j'ai reçu des commandes en double. C'était pas vraiment prévu, mais je me dis pourquoi pas vous faire des petits lots pour vous faire gagner certaines choses. Des petits ustensiles de cuisine ou voir des jouets, etc. Bref, de ce que j'ai commandé moi. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes ok pour que je vous fasse des petits lots, voilà, en concours. Après, c'est pas des trucs énormissimes comme le concours que j'ai fait juste avant, mais voilà, c'est juste pour vous faire plaisir, pour vous remercier de me suivre au quotidien, pour vous remercier de vos messages bienveillants, etc. Donc, le seul truc de vêtement que j'ai pris, c'est un manteau comme ça pour mon fils. Voilà, c'est exactement le même qu'il a actuellement mais en noir, sauf qu'il a complètement déchiré. Et donc du coup, je lui en ai repris un en gris. Voilà, souvent c'est cette marque-là que je prends, Socolite, avec le petit badge comme ça. Et franchement, ils sont très très bien. Vraiment, à l'intérieur, c'est assez épais, c'est une bonne doudoune. Je vais commencer comme ça vient, je vais pas trier parce que j'ai 20 minutes et les enfants vont sortir de l'école. Donc je devrais aller les chercher. Donc je vous montre comme ça vient, j'ai pris un moule. Donc à chaque fois j'en ouvre un parce que c'est le mien et l'autre je l'ouvre pas au cas où, on ne sait jamais. Donc c'est un moule à charlotte, j'en avais pas. Et la dernière fois j'ai voulu faire une charlotte, il a fallu que je coupe
tout ce qui a dépassé au-dessus parce que ça n'allait pas dans le moule, mais là j'ai l'impression que c'est un petit peu petit. Je vais peut-être vous rapprocher un peu. Je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près. Je suis désolée pour la luminosité, mais il fait tout gris, donc j'ai ajouté toutes les lumières que je pouvais. J'espère que ça ira. Donc j'ai pris ce moule-ci que j'ai reçu en double. Ensuite j'ai pris pour faire des petits gâteaux. Vous savez que j'achète plus rien quasi d'industriel au magasin. Parce que j'y vais quasi jamais. Donc j'ai pris des petites choses comme ça pour faire des espèces de BN. Vous savez, les petits biscuits fraises, chocolat, etc. Pareil. Donc il y en a deux. Bon, je vais pas vous montrer à chaque fois les deux, mais c'est pour vous dire que je peux vous faire des petits lots. J'ai pris un moule comme ça compartimenté pour faire des petits gâteaux. Et comme ils sont au périscolaire une fois par semaine, je me dis que ça peut être pas mal à mettre dans la boîte à lunch en individuel comme ça. Et en ce moment, je suis à fond dans la cuisine. J'ai aussi pris un moule compartimenté, pardon, mais en carré, pas en petite part comme ici, en silicone. J'espère que ça va tenir, que ça va pas noircir, sécher, etc. Vous savez que c'est une bonne matière de silicone, mais je vous redirai. Ensuite, j'ai pris des ustensiles de cuisine. On va rester dans la continuité. Surtout des petites spatules comme ça parce que franchement j'en ai pas assez. Comme je cuisine beaucoup, à chaque fois je dois la laver, etc. Et derrière ici vous avez les grammes, ou je sais pas trop, mais voilà, vous avez les graduations. Franchement elles sont trop belles. Ensuite bah, je les ai reçues en double. J'ai pris des moules pour faire des petits chocolats comme ça, et pareil j'en ai pris deux sortes et je les ai reçus en double. Donc vous en avez des comme ça avec des petits pains d'épices, des petites cloches, des petites gants, bonhomme de neige, sapin, et celui-ci c'est le même, et l'autre écoutez, j'ai l'impression que c'est tous les mêmes. Ouais, c'est tous les mêmes. Donc voilà, écoutez, il y en a 4. J'ai pris une petite toile comme ceci. D'un côté macaron et d'un côté éclair, etc. Je vais peut-être me rasseoir. Donc voilà, une petite toile de cuisson. Voilà, je ne vous montre pas deux fois, ça ne sert à rien. Ensuite, pareil, j'ai pris, hop là, ah il me semble que c'était pour faire des pains au lait, vous savez, des pains au lait fourrés, des pains au lait aux pépites de chocolat, des pains au lait nature, ouais, une petite, pareil, un petit moule, voilà, comme ça, il est perforé celui-là, il me fait penser à des moules un petit peu connus. Donc voilà, et pareil, il y en a deux. Ensuite, j'ai pris ça parce que, je sais pas, c'est pas fait pour. Alors, je vous conseille pas forcément, mais j'avais envie de tester, moi, pour ma part. Donc, j'ai pris ça pour aller dans le Thermomix. En fait, c'est pour cuire les œufs. Donc, écoutez, à voir. Je sais pas, ça m'a interpellée. J'ai trouvé ça sur Shein, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, pareil. Hop, je vous montre pas les deux à chaque fois. J'ai pris un petit en bout comme ça. C'est pour couper les sandwichs. Vous savez, moi souvent les enfants ils aiment pas trop la croûte. Donc ils la coupent, et puis là c'est pour le couper plus proprement parce qu'en fait ça permet aussi en même temps de souder les bords. Donc je me suis dit pourquoi pas. Des fois quand je leur mets dans leur boîte à lunch, si j'ai pas eu le temps de faire un gâteau, franchement je leur mets un petit sandwich avec du beurre de cacahuète et de la confiture, ça fait très bien l'affaire. Ou autre, hein, ça peut être du fromage ou peu importe. Alors j'ai pris des petites, j'en ai pris un de base. Alors vous avez des petites formes à l'intérieur et c'est pour en fait rouler le coin des tartes, des quiches, etc. Et en fait ça fait une jolie forme, ça fait une tarte on va dire avec une petite forme comme ça ondulée. Ensuite j'ai pris des serre-têtes pour ma fille, dedans j'en avais 4. Ça va être un haul express hein. Non, dedans vous en avez 6.
Ils sont comme ça. Voilà, parce qu'elle a tout le temps les cheveux qui lui tombent sur les yeux. Je me suis dit, on va tester un petit peu avec les serre-têtes. Je pose où je peux. Alors, j'ai pris ça, c'est pour, vous savez, les hommes quand ils rasent leur barbe, etc., pour accrocher sur le miroir. Et récupérer, en fait, ils accrochent une partie sur le miroir avec la ventouse. Et l'autre partie, ils l'accrochent à leur cou. Et en même temps, ça permet d'éviter d'avoir des poils de partout. Voilà. Ça se présente comme ça. Vous accrochez une partie au cou. L'autre partie avec les petites ventouses que vous mettez là. Et en fait, tous les poils, ils tombent dedans. Et ça évitera bien des disputes. Parce qu'avoir des poils de partout, il y en a marre. Dedans, vous avez les deux petites ventouses. Voilà. D'ailleurs, il y en a deux aussi. Hein, s'il y a une femme qui a des petits problèmes avec son mari au niveau des poils de partout, il y en a un deuxième. Je peux le faire gagner aussi. Je peux l'offrir. J'ai repris une petite spatule comme ça, un petit peu style Noël. Quand je fais des petites recettes, des petits réels, etc., j'aime bien avoir des petits accessoires par thème. Je trouve que c'est plus joli. Elle est trop belle. Voilà, j'ai pris des sachets justement comme ça pour mettre les sandwichs dedans, les biscuits, etc. Donc il y en a 100. De base, j'avais pris qu'un sachet. Vous avez des petits dessins à chaque fois, des petits. Attendez, je vais vous montrer par là. On a différents animaux. J'ai pris des kits à tacos, enfin voilà, pour mettre des petits tacos, etc. Parce qu'on aime bien faire des soirées tacos. Je vais vous les montrer peut-être ici, il n'y a pas d'étiquette. Voilà. Donc écoutez, il y en a pas mal. Encore une fois, deuxième spatule Noël. Les deuxièmes, je les laisse tous dans les sachets. Donc là, c'est encore des kits à tacos, kits à tacos. Hop. J'ai pris un petit testeur comme ça. En fait, c'est un testeur. Je vais pas l'ouvrir parce qu'en fait, j'ai déjà ouvert le mien. C'est un petit testeur, vous savez, pour piquer les gâteaux. Voilà. Pour piquer les gâteaux, c'est écrit cake tester dessus. Et pour voir si c'est cuit, vous piquez dans le. Si ça ressort en fait avec de la pâte, c'est que c'est pas encore cuit. Ensuite, j'ai pris cette petite chose. Je vais en ouvrir un. Alors, en fait, vous mettez une lame dedans. Je ne sais pas comment ça marche, mais en fait, on est censé pouvoir mettre une lame dedans. Et c'est pour, vous savez, couper la pâte. Par exemple, pour faire les petites entailles dans le pain, avant de le mettre au four, etc. Et normalement, ça, c'est censé être les lames. Voilà, vous avez différentes lames. Enfin, différentes lames. Non, vous avez plusieurs lames qui se mettent dedans. Si j'arrive, j'essaierai de vous mettre des petits screens pour que vous puissiez comprendre. Parce que là, j'ai pas envie de le faire. Vu que je suis un petit peu pressée, j'ai pas envie ensuite de laisser ça à la portée des enfants. Donc, je vais laisser fermer le temps que je range. Alors, ici, c'est Je vais l'ouvrir. C'est pour la voiture. Alors, hop. C'est des sièges pour la voiture. Enfin, des. Vous savez. Je pense que vous avez compris. Des assises. Voilà. Des assises pour la voiture. Ensuite, j'ai pris une toile de cuisson comme ça. Je voulais vraiment tester en fait tout ce qui était accessoire pour cuire, si ça bougeait pas, si ça changeait pas. Et normalement, il y en a deux dedans. Ça, c'est hyper pratique. Ça nous permet d'économiser les feuilles de papier cuisson. Je vais tester, je vous en dirai des nouvelles également. J'ai pris une crêpière puisque la mienne est complètement morte. Donc elle est censée aller sur l'induction. Écoutez, il y a la poignée juste ici, il faut juste la visser. Elle est comme ça. Elle m'a l'air de plutôt bonne qualité. J'ai l'impression que c'est un petit peu en pierre. Pareil, à tester. C'est la première fois que je prends une crêpe, enfin une poêle sur,
sur Shein, mais comme je vous dis, il y a vraiment de tout, tout, tout. Là, il y en a une deuxième ici. Ensuite, j'ai pris, parce que je voulais faire des petits biscuits de Noël avec les enfants. C'est quoi ça, du coup? C'est pas le même. Si le deuxième est ici. Ah oui, ça, c'est pareil, une feuille de cuisson, mais pour faire les macarons. Ah vraiment, là je vous ai dit, je me suis équipée. Je suis déter à reprendre la cuisine avec mon TM6. Donc j'ai pris des petits je vais en sortir un. C'est pas du tout les mêmes petites images. Voilà. Donc il y en a plusieurs également. Voilà, vous avez différentes images. Vous n'allez pas trop voir comme ça, mais pour le thème de Noël. Voilà. Ensuite, deuxième feuille de cuisson pour les macarons. J'ai pris pas mal de jouets, donc j'en ai pris un ou deux pour chaque enfant. Ma fille, elle a déjà réussi à en ouvrir un. Vraiment, c'était son rêve d'avoir une petite mallette comme ça de maquillage. Je peux vous l'ouvrir celle-ci, hein, étant donné qu'elle l'a déjà ouverte. Voilà, à l'intérieur c'est comme ça. À l'intérieur c'est comme ça. Puis il y a des petits compartiments sur le côté. Vous avez des... c'est dur à ouvrir. Des petits rouges à lèvres. Ici vous avez des petits pinceaux. Voilà. Donc c'est bon pour ce carton-ci. Alors là j'ai ouvert un deuxième carton. Donc on passe sur des jeux. Donc c'est un petit circuit comme ça. Dinosaure. Voilà. Il me semble que j'en ai pris un pour mon neveu et un pour mon fils. C'est un autre jeu. Voilà, celui-là aussi c'est dinosaure. Donc c'est celui-ci que j'ai pris pour mon neveu, parce qu'il est plus petit que mon fils. Donc il est comme ça, avec des petites voitures à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris un petit kit comme ça de ménage pour ma fille, parce qu'elle me prend tout le temps mes accessoires, etc. Et elle en voulait, donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas, même si c'est pour 3 ans et plus. Écoutez, elle vient d'avoir 4 ans, donc c'est très bien. Dedans, vous avez balai, spray, plumeau, etc. Ensuite, pour mon fils, j'ai pris... ici je sais déjà ce que c'est, mais je pense que j'en ai déjà ouvert un, donc je vais laisser celui-là fermé au cas où. C'est des perles, je vous montrerai juste après. Je vous montre déjà ce qui est ouvert. Pour mon fils j'ai pris un télescope, parce qu'il en voulait un pour regarder les étoiles, etc. Donc je lui ai pris celui-ci. Ma fille elle voulait un microscope, mais malheureusement il n'y en avait plus. Donc voilà, franchement il est plutôt pas mal, avec un très grand trépied. Donc voilà pour ce carton-ci aussi. Bon, je vous reprends, je sais plus où j'en étais, mais j'ai dû récupérer, j'ai pas calculé le bon timing, j'ai dû récupérer les enfants à l'école. Je leur ai dit de jouer le jeu et de ne pas regarder ce qu'il y avait dans les cartons, etc. Donc là ils sont en train de faire le goûter. Voilà, ils sont en train de goûter le petit gâteau Smarties. Donc pour ma grande, je lui ai pris comme ça un set avec énormément de perles, de choses comme ça, d'activités, etc. Je vais essayer de mettre comme ça parce que ça tape dans le cercle lumineux. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas ouvert l'autre. En fait, j'avais déjà ouvert celui-ci. Ensuite, j'ai reçu énormément de petites mallettes de make-up. Donc il y en a une, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y en a une autre qui est là. Il y en a une qui est ici, ça c'est une espèce de petite coiffeuse comme ça. Il faut que je me dépêche avant que ma petite arrive. Hop, on fait un petit peu comme ça avec le miroir, etc. Un petit compartiment juste ici, mais j'en ai reçu plusieurs, donc pareil, je peux essayer peut-être de faire gagner certaines. Il y a quoi d'autre là-dedans? J'ai fini de manger. C'est vrai? T'as fini de manger? T'as débarrassé ton assiette? Il y a encore du gâteau dedans. Allez, va boire un petit peu et puis c'est bon.
Je t'aime. Tu vas ouvrir ton calendrier? Oui. Ok. C'est le 1 et le 5. Essaye de trouver là-bas le 1 et le 5. C'est écrit Sophia. Allez, essaye de trouver le 1 et le 5. Donc, j'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ça pour les enfants. Voilà. Il y en a à peu près une centaine dedans. Ensuite, j'ai pris un petit kit comme ça de petite princesse avec des chaussures et les petits bijoux. Voilà, il y en a deux aussi. Donc j'ai reçu aussi cette petite mallette pareil de make-up. En fait, j'en achetais toujours pour les anniversaires des camarades de mes enfants. Et bah, mes filles, ils en ont voulu absolument. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ça. C'est mon fils qui voulait ça. Donc je lui ai pris. Petit Tokyo Walkie. Donc voilà pour ce carton-ci. J'ai pris une grille comme ça pour, vous savez, vous posez les gâteaux dessus pour qu'ils refroidissent ou pour faire le nappage. Et bah d'ailleurs, j'en ai utilisé une pour napper mon gâteau, pour mettre la petite, le petit glaçage là sur mon gâteau Smarties. Et je sais pas, peut-être que je vais en mettre un dans mon évier. Je vois beaucoup de youtubeuses américaines, ils ont ça dans leur évier. Je sais pas trop pourquoi, peut-être pour éviter de le rayer, de le tacher. Ou on verra. Donc voilà, petite grille noire. Donc voilà, je vous ai tout montré pour ce haul. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura donné des petites idées de cadeaux, d'accessoires de cuisine, etc. à avoir à la maison. En tout cas, n'hésitez pas à aller en barre d'informations. Vous aurez tous les liens des articles. S'il y a quelque chose qui vous plaît, vous avez juste à cliquer dessus. Et en plus, avec mon code promo, vous aurez une réduction en plus qui n'est pas négligeable. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao !